j'ai compris. C'est pas simple, mais j'ai compris. Donc là, je mets tous mes rouleaux dans la piscine. Et du coup, j'ai mis oui, donc un petit mot à côté de la porte d'entrée. Mes voisins, oui, déposent leurs rouleaux vides. Et comme ça, après, moi, je les récupère pour agrandir donc, ma collection. Là, j'en ai fait un sapin avec des rouleaux, une robe, donc 3, 4, 5. Du coup, actuellement, je suis en train de compter donc, tous mes rouleaux de papier toilette. Je pense que je dois en avoir un peu plus de 1000. Emma ! Et on devait récupérer donc des rouleaux de papier toilette pour faire les spectacles. Donc j'ai continué à les garder. Et au bout d'un moment, bah, ça a commencé à faire des centaines de rouleaux. Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux. Bah, j'avais beaucoup de rouleaux, mais je savais pas trop quoi en faire. Et je me suis dit qu'une robe, ça pouvait être original. Et dessus, j'ai à peu près 400 rouleaux de papier toilette. Sympa ta robe. Non, je suis pas du tout étudiante en mode. Maintenant, je travaille dans l'immobilier. J'avais quelques bases quand même en couture et puis je me suis aidée d'une couturière. Vous voulez voir à quoi ça ressemble sur moi? Je l'ai pas du tout pesée, mais à mon avis, elle doit peser quelques kilos quand même. Je me suis inspirée d'une influenceuse qui avait fait une robe avec des paquets de tablettes de chocolat. Et j'ai donc eu l'envie de faire la même chose avec ma collection de rouleaux. Du coup, j'ai d'abord fait plusieurs croquis, je me suis penchée dessus. Et j'ai commencé donc à faire un petit haut. Et après, j'ai essayé de compter le nombre de rouleaux par rapport à la robe, etc. Qu'il pouvait y avoir dessus. Je me définis un peu comme une TikTokeuse en carton, finalement. J'ai eu plein de personnes qui voulaient des photos, plein de questions, des blagues aussi, mais que les autres trouvent ça bien. J'ai trouvé ça très gentil de leur part. Ce système de cadre avec des rouleaux dedans, j'aimerais le faire pour un futur projet sur la plus grande surface, donc tout un mur. Et si vous avez des rouleaux de papier toilette vide, n'hésitez pas à me les donner. Bonne journée.